Il neige sur Édimbourg en ce 16 avril 1874. Un froid de canard paranormal cadenasse la ville. Les vieux spéculent. Il pourrait s'agir du jour le plus froid du monde. Vous ne connaîtrez pas une petite chanteuse minuscule qui se cogne partout? Qu'est-ce que tu lui veux à la petite chanteuse? Un jour, je l'ai vue chanter et se cogner et j'aimerais lui offrir une paire de lunettes. Comment tu fais ce bruit de tic-tac bizarre? C'est ton cœur qui fait autant de bruit? Je ne connais rien de plus amusant que l'imprudence. Regarde-toi, je dis imprudence et tes yeux s'allument. C'est une souffrance ridicule par rapport à celle que peut engendrer l'amour. Tout le plaisir et toute la joie que l'amour peut faire ressentir se paient un jour ou l'autre en souffrant. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Mais toi et moi, on va monter sur ces planches. On va dévaler la moitié de l'Europe sur nos planches à roulettes. Anda, Lucia! Que je ne t'entende même pas y penser, sinon je te fracasse l'horloge qui te sert de cœur sur le crâne. Je te le briserai, tu m'entends? Je te le briserai si fort que tu ne seras plus jamais capable d'aimer. Plus jamais capable d'aimer. Ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Car alors, pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau. Tes os imploseront et la mécanique du cœur sera brisée de nouveau.